continue DataVis avec David Goel qui va nous parler de DJI Graph et Shiny. Bonjour. Je vais en profiter pour laisser quelques noms aujourd'hui, parce qu'en fait, souvent sur Twitter, je vois David Goel et Gigi Raff. Je suis très content, mais ce n'est pas que moi. Donc d'abord, le logo, il a été fait par Charlotte Joly, qui a fait les affiches du cirque Pinder. Voilà, il faut le savoir, si un jour vous cherchez une designeuse, Charlotte Joly, le cirque Pinder. Alors, Gigi Raff permet de créer des graphiques dynamiques et interactifs. Il est très connu pour les graphiques, pour le côté dynamique. Les trucs avec des hovers, comme a expliqué Yann tout à l'heure. Il est beaucoup moins connu pour ses capacités interactives. Nous, on l'a surtout développé justement pour satisfaire des besoins clients. Donc alors, les effets dynamiques, ça va être les animations, des infobulles. Donc quand vous passez votre souris au-dessus d'un petit point, paf, ça fait des petits zigouigouis, des tooltips, et puis ça anime un petit peu. Ça fait son effet, mais ce n'est pas de l'interaction, c'est du dynamisme. Bon, j'espère que j'ai raison, mais c'est que je l'ai bien segmenté dans ma tête. Et puis ensuite, on a les effets interactifs dans les applications Shiny, qu'en tant que boîte de consultants, on développe et qu'on essaye de vendre. Enfin, c'est ça qui nous paye souvent. Donc, c'est les interactions avec le graphique Shiny qui devient une source d'input réactif. Donc, vous pouvez interagir avec le graphique et récupérer les sélections du graphique ou récupérer ses mouvements de souris. Le package GGRAPH, c'est une extension de ggplot2. Donc vous pouvez utiliser vos connaissances du package ggplot. Il y a un petit peu plus de travail qu'avec ggplotly. Comme l'expliquait tout à l'heure Yann, c'est pas ggplotly. Par contre, il y a des petites différences notables et qui peuvent être intéressantes. On pourra en discuter après. En gros, quand vous avez une fonction geompoint, si vous connaissez bien ggplot, au lieu d'utiliser geom underscore point, vous allez utiliser geom point interactive. On a rajouté interactive partout. Voilà. Comme ça, c'est pas trop dur à comprendre. Le graphique, c'est un vrai graphique R. Ça vient avec les inconvénients du graphique R. Donc, c'est par exemple un positionnement par rapport à Plotly. Plotly, lui, va toujours se dimensionner dans l'espace qui lui est disponible. Nous, il va respecter un aspect ratio, un rapport entre la longueur et la hauteur du graphique, qui va énerver certains utilisateurs. Moi, j'adore, mais bon, après, vous avez Plotly si vous n'aimez pas. Les motivations, au début, vous pouvez l'utiliser pour ajouter des informations visuelles au-dessus du graphique, donc afficher une infobulle, animer le ou les éléments. Pour nous, c'est tellement fait, déjà fait. C'est cool, c'est agréable pour les gens. On voit bien qu'il y a des gens à qui ça plaît. Mais par exemple, ce qui se fait en Détroit, c'est vachement bien, c'est plus light. Bon. Par contre, c'est super sympa du côté interactif avec Shiny de pouvoir fournir un graphique et que l'utilisateur puisse cliquer sur un point et dire « paf, je ne veux pas de ce point-là » ou « je veux avoir plus d'informations sur ce point ». Par exemple, nous, on a un client, c'est L'Oréal, ils s'en servent beaucoup pour créer des filtres. Voilà. On a des biologistes qui ne veulent pas avoir des grands tableaux de chiffres, ils veulent plutôt dire « non, ce paquet-là, je l'enlève ou je l'ajoute, ou ce paquet-là et un autre paquet ». Alors, tout est interactif, tout peut être interactif dans le ggplot, dans la philosophie du ggplot. Les éléments du panel, c'est-à-dire les points qu'on voit dans le panel, les légendes, et puis aussi les titres, même les lignes du thème peuvent être interactifs. On peut cliquer dessus et on peut hoover dessus. Enfin, le hoover, c'est quand on passe notre souris dessus. Donc ça, c'est un peu le truc pour frimer, mais en fait, ça fait plus peur qu'autre chose. Donc il y a 50 fonctions de type geom interactive. Il y a 98 fonctions de type scale, ça je ne savais pas, c'est quand je les ai comptées hier soir. Il y a des raisons, parce qu'en fait il y a plein de fonctions scale dans ggplot et on doit toutes les avoir. Et puis il y a quelques fonctions de type guide qui vont changer cet été, ça va mal se passer pour nos vacances, mais bon, c'est pas grave. Il y a aussi les éléments du thème, element line interactive, element rect interactive, element text interactive pour les thèmes. Donc vraiment pour ce qui est de la customisation du graphique. Donc à quoi ça ressemble ? Là, vous avez un graphique standard, vous exprimez le data, les esthétiques associées, donc le rôle des variables et le nom des colonnes associées dans le data frame. Et puis là, on appelle le GeomPoint Interactive, où je rajoute quelques esthétiques qui ne sont implémentées que dans GGRAPH. Donc, tooltip, data ID qui est très important pour GGRAPH. Si vous n'avez pas de data ID, vous n'aurez pas d'interaction.
Et puis des petites nouveautés, j'en profite pour les plomber ici. Ouvernires, par exemple, depuis un an, on a la capacité de faire du Ouvernires, c'est-à-dire que ce n'est pas en posant sa souris au-dessus du poing, mais à côté, une certaine distance. Voilà. Puis là, j'en profite pour montrer quelque chose qui est rarement vu sur Twitter ou tous les trucs où je vois où ils en parlent. C'est qu'on a aussi les scales. Enfin, ce n'est pas parce qu'on le dit, mais on a les scales interactives. Donc là, par exemple, quand je vais avoir mon graphique d'affiché, ça veut dire que sûrement sur ma légende, il va y avoir un peu d'interactivité. Les esthétiques, j'en ai parlé, data ID, tout le type. Et par contre, c'est obligatoire. Vous devez appeler la fonction JGiraffe. Si vous n'appelez pas ça, ce ne sera pas transformé en SVG, ce ne sera pas processé et il n'y aura pas d'interactivité au sein du graphique affiché dans une page web. JGiraffe, j'en profite, ça ne marchera que dans une page web. Donc là, on a quelques customisations. Donc en CSS, j'ai dit, quand tu mets ta souris au-dessus, tu vas rajouter un petit bord black, noir. Tous les autres points, tous ceux qui ne sont pas ouverés, tu vas mettre une opacité de 15%, c'est-à-dire tu vas les rendre presque transparents. Et puis, j'en profite pour poser un peu une barre, une toolbar où il y a un export, quoi. Et le rendu. Attendez, là, je suis complètement paumé. OK. Est-ce que je peux faire un petit reload ? Parce que là, ça se passe mal. Et le rendu. Je suis désolé, je ne suis pas habitué à regarder l'ordinateur derrière moi. Donc là, on voit un tooltip. On voit que les autres points, ceux qui ne sont pas concernés par le groupe qui est ouvert, diminuent, sont presque devenus transparents. Ici, j'ai bien ajouté des petits tooltips sur les légendes. Et bien sûr, mon objectif, ça va être de vous emmener vers Shiny pour que vous compreniez. Ça, ce n'est pas très grave. Vous emmener vers Shiny pour que vous compreniez comment en disposer au sein d'une application, en bénéficier dans votre application Shiny. Donc le graphique il va être transformé en objet réactif et trois inputs réactifs sont mis à disposition. La sélection des éléments du panneau, ça c'est assez facile, mais j'insiste, la sélection des éléments de la légende et la sélection des éléments du thème. Les éléments associés au Data ID peuvent être sélectionnés. Et donc, ce sera la valeur du data ID qui sera retournée comme valeur réactive. Donc, si derrière, vous avez codé Coco, quand vous cliquez sur le point, c'est la valeur Coco qui vous revient dans Shiny. Du coup, c'est quoi ces inputs réactifs ? Si mon graphe, je l'ai appelé, si je lui ai mis un identifiant qui s'appelle Giraffe ID, du côté Shiny, la sélection des points ou le hoovering sur les points sera disponible dans un truc qui s'appelle input$giraffeid_hoover. C'est clairement super inspiré de DT. C'est quand j'ai commencé à regarder comment marchait DT, je me suis dit, comment il a fait ? S'il a fait comme ça, je vais faire pareil, quoi, pour que ce soit facile pour les utilisateurs. On a la même chose pour les éléments de la légende, qui est les éléments du thème. Ça aurait été pas mal de mettre panel ici, mais historiquement, ça s'est arrivé d'abord, et ensuite ça s'est arrivé après, c'était trop tard pour le nommage. Alors, la dimension n'est pas OK. Ça, c'est les petits effets surprise. Donc ici, j'ai une petite application Shiny avec les données des municipales. Je vais vous montrer juste le hoover, je ne vais pas cliquer. Quand je vais mettre ma souris là-dessus, par exemple, paf, ici, il est capable de récupérer le mouvement de la souris, savoir que je suis allé dessus, et m'afficher une carte ici. Donc cette carte, bien sûr, ça peut être aussi un autre girafe. Et dedans, il y a un flex table, parce que c'est cool, flex table. J'aimerais bien vous en parler 50 minutes de plus, mais bon, j'ai pas le temps. Je peux cliquer sur des éléments de la légende, par exemple. Voilà, les républicains, je crois que c'est une zone bien claire. Ah merde, je sais plus. C'était... Non, Union de la droite, c'est là. C'est là où il y a eu Rachida Dati. Je crois qu'elle est par là. Voilà. Et donc, là, c'est vraiment ce qu'on peut faire. Donc, j'ai montré un petit peu les panels, les légendes. Et là, c'est le thème. Je peux même mettre un petit hoover et plaf, ouvrir un nouveau lien
vers, puis je sais pas, rajouter des trucs vers un site de petits chats, ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'était le show-off Shiny. J'espère que vous comprenez bien les possibilités. L'intérieur du graphe, les thèmes et les légendes. Après, c'est pas une Ferrari, c'est plutôt une Caterham. Il y a beaucoup de choses que ce sera à vous de coder. Hein, c'est à vous de récupérer les sélections, c'est à vous de faire l'implémentation logique. Voilà. Donc si vous codez des trucs hyper compliqués, bah, vous vous retrouverez avec des codes hyper compliqués. Moi, je me suis arrêté, enfin, avec Pana, on s'est arrêté à peu près à la même chose que DT. On s'est dit, bon, bah, oh, ils n'arrêtent pas de parler de programmation, qu'ils se débrouillent, quoi. Donc, il y a eu un gros travail cette année pour documenter. Ça me permet de montrer un petit peu quelques exemples que j'ai composés. Donc, j'en ai profité pour m'entraîner sur Quarto, bien évidemment. C'est pas mal pour les livres. J'ai fait ma présentation avec la formation de Christophe hier. Je confirme ce qu'il a dit, ça marche à peu près. Là, j'ai mis un iframe et tout, c'est cool. Et regardez ce genre de petit exemple qu'on peut avoir qui plaît aux gens. Donc, par exemple, on peut highlighter plusieurs choses en même temps. Tous les groupes qui ont la même valeur seront animés en même temps. Là, vous voyez, j'ai encore la même chose, mais... même dans un graphe juste dynamique, sans shiny, parce que ça, c'est pas du shiny, hein, ça, c'est du standard. Les légendes sont animables. Bien sûr, on peut y lier du JavaScript si on a envie. Les facettes, ça, j'étais content, c'était pour montrer à Pana que j'étais back dans le game quand j'ai fait les facettes, parce qu'il a pris la maintenance pendant quelques temps. Et hop, les facettes aussi. Donc, par exemple, chez mon client L'Oréal, on s'en sert pour cliquer et sélectionner des parties. Voilà ce que je peux montrer. Il y a plein d'autres petites choses qui sont populaires. Je voulais juste montrer voilà, cette partie-là où on utilise Patchwork. Et je sais que ça a bien marché. Les gens ont vraiment aimé. Moi, au niveau professionnel, pas tant que ça. Mais ça a pas mal résonné dans la communauté. La capacité à mettre en parallèle... La capacité à mettre en parallèle les graphiques sur un même... avec Patchwork, voilà, et d'highlighter les mêmes éléments. Donc ça donne une même vision d'un même point sous différents angles. Voilà, donc le Giraffe Book, il est disponible sur notre site. Normalement, j'ai mis le lien. Ah bah non, c'est la slide d'après, voilà, il ne faut pas l'oublier, il me reste 3 minutes. Les sources de l'application, elles sont disponibles sur un GitHub. Voilà, j'étais un peu feignant, j'ai repris un truc qui existait depuis longtemps. Le Giraffe Book, il est disponible sur notre site. Il va évoluer plutôt l'année prochaine ou fin de cette année. Les auteurs des girafes, c'est très important pour moi parce que j'ai l'impression de l'avoir ghosté des fois sur Internet. Panayotis a été vraiment important il y a 3 ans. Pendant 2 ans, il a pris le lead, il a tout refactorisé, on en parlait. Mais voilà, il a vraiment, par exemple, c'est lui qui a apporté la couverture complète des fonctions de ggplot. Moi, j'étais pas motivé pour les boxplot, par exemple. Lui, il a dit, ouais, on fait tout. Ok, bon. Et moi, j'ai fait les premières versions et je suis back dans le game, là, voilà. Giraffe est disponible depuis 2016, donc je suis un peu ravi qu'il soit connu aujourd'hui. Et en même temps, il existe depuis 2016. C'est ouf, hein, la visibilité. Voilà, quand on n'en a pas, les gens ne savaient pas que ça existait. Donc, c'est tout. J'espère que c'était clair. Bon, merci beaucoup. Et David, il y a déjà plusieurs questions dans les slides. Donc, bon, déjà la première, est-ce que le code de l'appli Shiny Show Off que tu as montré est disponible quelque part? Oui, sur cette URL-là. Je vous conseille de ne pas aller dans les data SRC. Je n'ai pas fait d'effort pour l'éclaircir, mais vous pouvez regarder la partie app.r qui est à peu près claire. Donc, Cédric, il nous pose la question. Comment ça se passe à l'export, notamment dimension, longueur? Il n'y a pas d'export. C'est fait pour afficher dans une page web. Donc, le support final, c'est la page web. OK. Donc, enfin, si l'édié, c'est comment on l'exporte en HTML, ça marche en R Markdown et en Shiny. Et vous pouvez même le sauver en HTML, tout simplement. Mais il n'y a pas de... il n'y a pas d'export d'une image ou d'un AVI ou quoi que ce soit. Quoi. C'est dans une page web que c'est fait pour vivre dans une page web.
Bon, mais bon, de mon expérience avec les DJI Graph, on peut le sauvegarder. C'est du digiplot finalement, donc on peut le sauvegarder comme SVG, comme PNG, comme PDF, ça marche. Sans l'interactivité. C'est un driver SVG par en dessous, si vous voulez aussi. Ok, donc possibilité de passer une liste de graphiques GGA et Giraffe et de les afficher en une seule colonne sur l'app Shiny tout en profitant de l'interactivité. Pardon, excusez-moi, possibilité de... De passer une liste de graphiques et de les afficher en une seule colonne. Donc, alors, je n'ai pas une liste graphique, je n'ai pas la compréhension de la question, mais vous pouvez faire plein de petits ggplots et les afficher dans une colonne dans Quarto ou Air Markdown, si c'est ça la question, ou même dans du web. Oui, je pense que ça doit être ça. Même avec Patchwork ou avec Coplot, ça marchera. Ok, et ça, pour la dernière question, dans quel cas partir plutôt sur Plotly ou plutôt sur GGI Plotly, zéro effort, ça marche tout de suite. Et Giraffe, un petit peu plus d'effort. Par contre, un respect total des dimensions. Le multiclic, par exemple, je sais que L'Oréal apprécie de pouvoir sélectionner un groupe de points, un autre groupe de points, d'en désélectionner à l'intérieur. Ça, c'est un gros atout. Et la légèreté. On est pratiquement en pure vanilla JavaScript maintenant. Voilà. Bon. Et de mon côté de l'expérience, j'ai beaucoup utilisé je les prononce mal, Giraffe l'année dernière. C'est quand ma fille est née, il y avait des girafes partout en face de ma salle, donc on a décidé de l'appeler Giraffe. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière. Les gros plus pour mon équipe, c'était vraiment ne pas devoir traduire et mon code ggplot2. Et c'était très facile, il n'y avait pas besoin d'apprendre toute une nouvelle coding API. C'est ça. Et les facettes, oui. Support total pour les facettes, alors que du côté de ggplotly, je crois que c'est un peu moins facile. Oui. Voilà, c'est parfait. Merci à nouveau pour David.